Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Bazaar. Cette fois-ci avec un nouveau personnage Pygmalion, un des deux personnages qu'on n'a pas encore montré sur la chaîne. Donc Pygmalion, un perso très différent de Vanessa. Il va principalement avoir un style un peu lame, où il a beaucoup de facilité de scale les HP, le shield et l'argent. Et donc il a un early game un peu plus faible que celui de Vanessa, moins agressif, mais il a des possibilités de scaling qui sont très différentes et assez incroyables, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Aussi dans cette vidéo, j'ai choisi de cut le moins possible pour partager avec vous toutes les phases de réflexion en fait, qu'on a eues pendant cette vidéo. Je sais que le jeu est assez jeune encore, donc beaucoup de gens pourront être intéressés par ça. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez cette partie-là ou si vous préfériez qu'on la cut au montage. Du coup, on va continuer à jouer à The Bazaar sur le stream pendant un petit moment, jusqu'à décembre, d'ici la sortie de PoE2. Donc si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/dozer. Les horaires de stream ne sont pas encore calés, mais je stream de plus en plus souvent et de plus en plus tôt. Donc rejoignez le Discord pour avoir les updates dès qu'on est live. Enjoy la game. Peace. J'ai pris les clubs. Maintenant, si le jeu veut pas me donner de quoi jouer les clubs, on va vendre. Y'a pas de soucis. Maintenant, si le jeu veut me donner de quoi jouer les clubs, c'est autre chose, tu vois. J'accepte. Au contraire, je force pas. Regarde, il nous les a proposés. Hop, je prends. Tranquille. C'est le medium item, c'est pas ce qu'on veut. Prends les gold, l'XP, max HP, pas intéressant ici. On va pas acheter d'item. 2-4 gold, gain a skill. On peut level up. Et on peut prendre de l'argent ou 2 chocolate bars. Ou un tool. Prends le tool. On prend le cash register. toutes les games, il est là, le frérot. Hop là. Oh là 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 là. Mais comment il sort encore? Toutes les games, on l'a chopé. En plus, là, on le chope tour 1 carrément. On peut pas mieux faire. Alors, chocolate bar, small shield item, small and large item. C'est le moment. Bonus and adjacent small item, slow 2 items. Shield equals the item's value. Bof. Du heal. Un spare change. C'est pas l'heure de s'étouffer, il y a des games à record, clairement. Au news. Un action item, use this. Est-ce que je veux ce truc? Non.
Bronze tier skills, small and medium items. Ok. Ah là là. Déjà ça on vend. Ça je m'en fous un peu. Donc, imaginons. Je n'ai pas capté l'histoire du jeu de Fenris, je fais comment pour avoir des fois le item dans le jeu? Ben, je sais pas comment il fait. C'est une très bonne question. Peut-être que tu peux en avoir deux en diamant, mais je crois pas. J'ai jamais réussi en tout cas. Il ten damage. Est-ce que je prends ça? Qu'est-ce que je fais? Je veux bien avoir un tool en plus. Je veux bien vendre ça. Je m'en fous de cette arme. Et donc pour 6, je peux... Qu'est-ce que je veux faire en fait? Ça c'est pas mal. Je peux jouer le yo-yo dans cette situation. Pas envie de roll. On fight. Ça on s'en fout. Ça on garde pour l'instant. On fight le crabe. On use an adjacent item, use this. Ah, ça marche pas. Parce que c'est pas use. Ok. Noté. On va mettre à droite les bandages, ouais, faut resetup le board. Un de grave. Plus un d'income, oui. Heal and regen skills, oui. Ou weapons. Allons voir ça. The first time fall below, half health each fight. You gain regen. Your heal items have plus 3 heals, your medium heal, blah blah. Ok, on prend la regen. Pardon. On peut upgrade les clubs. Ce qu'on va faire. Your shield item gain 2 shield for the fight. Ça ne nous intéresse pas trop. Pour l'instant, on n'a pas de grosse value de shield. Donc ensuite, on a dit qu'on doit se repositionner. Et on fait un truc comme ça. C'est fine. Ouais.
Ça passe tranquille, hein? Alors. À la poubelle, tout ça. Plus 3 de régène, small items. La pince, bien si tu montes le shield, ouais, mais. On sait pas encore vers quoi on va. Donc, tranquille. Tac. On va prendre l'XP, haste and charge items, health and regen items. On va prendre ça. Money tree, relativement tôt, c'est pas mal. On a le même setup. On a le même setup. C'est pas moi. Le bail il est là, dans ma main. J'ai pas forcé. Je peux pas ne pas le pas le faire là, on est d'accord. C'est pas exactement le même setup. Il faut qu'on ait une propriété, qu'on ait 2-3 trucs, mais la base est là. Là, déjà le dégage, oui, plus vite que ça même. Le yo-yo, on va voir. Oh putain. On roll. When you heal, you shield. C'est pas trop mal. Mais c'est pas ce qu'on veut. Heal equal to your shield. C'est pas une priorité en fait. On est d'accord, arrête de machin, prends les trucs. Aïe aïe aïe. Du coup. On veut faire. C'est. Ça. Toutes les 4 secondes on pose 32 shield. Toutes les 5 secondes on pose 42 shield en fait. Et on n'est pas trop mal. On va garder ça dans la main pour l'instant parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Aux F de ce qu'il y a là. On fight l'apprenti. Et là faut qu'on scale nos PV du coup. Ah bah c'est pas la même chose hein, quand t'as les golf clubs gold aussitôt. C'est pas du tout le même délire. Donne-moi l'XP. 16 medium items, 16 get 3 spare change. Spare change sympa. Medium item sympa aussi. Du shield égal au heal. Ouais, du shield, c'est. C'est une portion. C'est une value. C'est genre 30% de tes max HP en shield, ouais. Un truc comme ça. Donc, déjà, on a ça. On roll. On n'a pas ce qu'il faut ici, mais c'est pas très grave. Have your leftmost shield item. Ou get an economy item, on va prendre ça. En se positionnant correctement, on peut faire un truc sympathique. Donc ça, on vend. Ensuite. Tout ça, c'est là. On rajoute ça, on rajoute ça. On fait ça. Et maintenant, on cherche une propriété.
Healing Regen Skills, Small and Medium Items. Oh. Small and Medium Items. On veut juste high roll un tout petit peu. Un tout petit peu. Pas de chance. Non, je suis trop con. J'ai lu trop vite. On avait le deuxième item pour notre économie. J'ai misplay. J'étais tellement sûr que ça allait pas me donner. En fait, j'étais tellement focus sur un des deux trucs que j'avais, j'ai pas pensé que ça aurait pu me donner un tool en fait. J'ai mal joué. On avait ce qu'il fallait. Allez hop. Alors, c'est icon item. Ça nous intéresse. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ça c'est tout de suite. Ensuite, ça vaut le coup d'acheter ça. Tac. 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 On roll. Belle. Upgrade du money tree. Ensuite, on refait notre board. Donc, on retire ça. On rajoute ça. Pour l'instant c'est ok, on peut pas aller choper les Silver Tier 6, on n'a pas assez d'argent. On va prendre un Small Shield Item, c'est nul, donc ça va être vendu soon. Outland Dervish, je crois qu'il fait du crit lui, un petit peu, ouais, c'est ça. Pas mal. Une seule disposition sur item school down by 2%. Okay. Level up. Get a heal item. Ou. Allez, on vire tout ça. On vire pas encore le bandage. Ça demanderait quoi? La pince à la place des clubs, ça serait nul. La pince, en fait, ça fait des dégâts égal à la plus-value de shield que tu as sur le board. Ma plus-value, c'est 40. Donc, toutes les 8 secondes, je fais 40 de shield. 40 de dégâts, pardon. C'est nul. Get a heal item. Ou des PV max. Ou 2 d'XP. 2 d'XP. Health toughness and shield items. C'est le shield que tu avais accumulé. Ouais, non. Non, non, non. L'item qui fait ça, c'est un item qu'on a eu dans la première game. C'est un item de Dooley.
D'où l'île, un item, c'est une sorte de catapulte, je sais pas. Et ça tape pour la value de shield que tu as actuellement sur toi. You find an abandoned chest, get a tool. Je veux pas d'extra tool. J'ai pas vraiment d'argent pour me permettre d'aller chercher quoi que ce soit. On va prendre l'argent, l'XP. Il y a une regen skills, oui. On peut se permettre d'en acheter un bien si on a un bien qui sort. You have plus one regen for each non-weapon item you have. J'ai 4 non-weapon items. Donc je gagne de la base regen. Pas mal. Your heal items have their cooldown reduced by 4%. C'est pas mal. Les deux sont pas mal. J'ai un peu de regen. Ça va m'en donner beaucoup plus. Je peux m'en avoir encore plus en faisant ça. Ah mais non, puisque c'est en fonction, c'est sur le moment en fait. Donc ça va être pendant le fight, ça change rien de changer mon setup. Happy lifestyle. One gen for each non-weapon item you have. Allez, on prend ça. Yo, Jean-Juan. Le meilleur strider du monde, c'est ici. Bah écoute. Je crois bien. Hein. Je crois bien, frérot. Tu nous arrives d'où? Tu nous arrives de la chaîne YouTube? Attention les chevilles quand même, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. On reste humble. C'est cool, aujourd'hui on a eu pas mal de gens, il y a eu pas mal de gens de la chaîne YouTube qui ont pu venir. Yo Aria. What's up? Walk at the docks to earn some coins. Bof. Quoique. On est au début du tour. Two gold and a weapon, two gold and a tool. Two gold and a shield item. Two gold and a weapon. Pas de chance. Du streamer français qui joue normalement Hearthstone, Slider HS, il apprenait juste, il veut une voir en stream. Yes? Speak English or French? French, but I can't speak English. Feel free to speak in the chat. We can do both. Sells large items. Your headphone is awesome. My headphone? Certain extra 300 shield per level. Get some chocolate bars, says large items. Ah, ça c'est du bot, ça. Ça c'est du bot, ça. Yes, the bazaar is our favorite item here. Yeah, our favorite game here. Yeah. What services do you offer? Bon, qu'est-ce qu'on veut, les frérots?
chocolate bars, large items. On n'a pas assez de PV à mon goût là. Chocolate bars, large item. Chocolate bars, large item. Large item. Il equal to 5% of your max health. When you sell a small item, gain 10 max health. Merci pour le follow, Jean-Juan. Bienvenue, bienvenue chez les dozers. When you heal, gain 5 max HP for the fight. Je pense qu'on va passer sur ça en fait. Est-ce qu'on peut passer sur ça? What's the most challenging game you have completed? Tic-tac-toe. Definitely tic-tac-toe. Oh mon dieu. Hogwash. En fait, on peut virer ça et ça, poser Hogwash, avoir un deuxième slot pour single item et commencer à faire une transition full heal en fait. Parce que ici, si on fait ça, c'est pas dégueu. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est une idée. 4 d'income ou 5 chocolate bars. Boom. Ah, c'est au hasard. Chocolate bars or gumballs. On va prendre l'income. Je suis daily on Twitch, yes. Almost. Bon, vous misez sur quoi? Qu'est-ce que Aria Carter va nous proposer? Du graphisme, mais faux lapping sur sur Discord. Vous misez sur quoi là, les frérots? Alors ça on garde, ensuite on a 21 gold, on va check les medium items. Yes, we're from France, c'est le moment de faire un sondage, j'avoue. Attends, que va nous proposer Aria? Un scam. Via Discord. 2. Un scam via les MP Twitch. Un nouveau scam exclusif. Boum. Les prédictions sont parties, les frérots. Boum boum boum. En plus, faut continuer à l'entertain pour qu'elle avance vers son scam, quoi. Casse les couilles. Ça, on baille ça. C'est gratuit. C'est du scaling. For free. Ok, on a ce qu'il faut. On a ça. On a ça. Donc, maintenant, soit on part sur ça, ce qui est pas mal, hein. En fait, on va partir sur ça. Hein. Gain extra gold, on va les prendre. On a la place pour notre spare. On va démarrer comme ça. Mais lui c'est juste un type qui teste un bot, ouais sûrement, sûrement. Il force, franchement.
Ah, yeah, you can ask. All cannon, no ball. Go ahead. Actually, we gave me also this song. Voilà. Yes, of course, of course. The small and large items. Alors, on peut juste level up pour 1. The properties gain 3 value, gain 7 gold for each property you have. 21 gold, spend all your gold and gain max HP. Les deux valent le coup. Mais les max HP, ça vaut beaucoup plus le coup. Pour l'instant. Sells large items. Il manque le... Faut que je setup là, les trucs pour le bot, hein, mec. Ils sont pas encore là. Je fais ça tout à l'heure, là. Le frérot Wisebot, là, il... Il slack encore pour le moment. Alors... Faut qu'on vende des trucs, on a dit. Ensuite... On a dit que... Je vais lui donner le Discord. Get an item at the convoy is navigating the just mountain pass. Get an item. Du gold and XP, c'est pas dégueu. Ouais, je peux prendre l'income. Je vais prendre l'income. On va fight le Dire Inglet. On a presque 3k HP. Tour 6, c'est pas dégueu. On va voir si on peut scale plus que ça. Si on réussit à avoir la belt du niveau au-dessus, on est bon. Et maintenant, il nous faut des skills, en fait. Il nous faut des skills autour du heal. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut une autre propriété médium pour pouvoir remplacer l'ATM. En plus, ça va être pas dégueu. On scale beaucoup mieux les dégâts, mais on heal beaucoup moins, on a moins de PV. Donc, va falloir réfléchir un petit peu. The docks, one extra HP, sell small items. J'ai bien envie d'aller voir les small items, j'aimerais bien... Je sais même pas s'il y a une raison de brûler le frérot. Je l'aurais volontiers upgrade si je savais qu'il aurait eu plus de multicast au niveau au-dessus, mais je sais pas forcément le cas. Follow me on Twitter. What we're gonna see. Pas trop de thunes là, faudrait écho, ouais. Mais c'est parce qu'on n'avait pas fait bien monter notre income, mais là ça commence à venir. Donc on devrait pouvoir s'en sortir. C'est pas un tool ça, et j'ai pas besoin d'un shield item en plus. Donc on va prendre la weapon. Ça c'est bien. C'est même très bien. Shield skills, heal and regen items. Shield skills, healing regen items. Healing regen items. Oh. Et ça. Ouais, ça. Est-ce qu'il y a un monde où on arrête de faire des dégâts? Et on shield il juste. Non, je pense pas. Quoique. Si je peux caler ça. Genre, je retire ça. Je vais garder 75% HP. Ça fait 2 slots de libre. Je peux poser mon large. Je retire les golf clubs. Et je joue Bushel.
Faut beaucoup de shield si tu fais plus de dégâts. Mais ça commence. En fait, j'ai beaucoup de shield. Potentiellement. J'ai beaucoup de shield et beaucoup de heal potentiellement. Disons, je fais ça. Je peux pas jouer Bushel. Si je fais ça. Je perds ça. Ça aurait été une bonne synergie. J'aurais pu buy ça. Je perds 50% de PV. Donc c'est beaucoup. Hein. Je perds. Quoi? 1400 et des brouettes. 1450 des brouettes. Mais je gagne beaucoup de shield. Parce que je gagne. Je gagne pas tant de shield que ça. Enfin, je gagne pas tant de shield que ça. J'ai pas des grosses values en fait. Je gagne 100 de shield. Ça c'est 100 de shield toutes les 4 secondes. Ça c'est 120. Allez, 142 shield toutes les 4 secondes, c'est que dalle en vrai. Par contre, je scale les HP en même temps, et c'est ça qui m'intéresse. C'est que je gagne plus 5 max HP. Bref, c'est. Non, c'est négligeable, c'est négligeable. Ça a l'air sympa, mais c'est pas ouf. Ça a l'air sympa, mais c'est pas ouf. Est-ce que je veux ça en plus? Je pense pas. On peut roll. Oh oui. Deal damage equal to your shield. Heal equal to your shield. Mais c'est ça qu'on va prendre. Ok. Il reste quoi? Il reste 3 slots. Boubou, faut le prendre, pas l'argent pour prendre les deux. Ça fait des dégâts en fonction du shield qu'on a et on a dit qu'on va pas jouer shield. Donc c'est pas. Ça valait pas le coup. Ah, moitié qu'il faudra follow back on Twitter, bon, mes frérots, déjà. La blague a assez duré là maintenant. Donc. C'est l'heure de. De bannir là, très bientôt. Le Wisebot, il se fait attraper hein, par les trucs un peu stylés. It says medium items will make a pitch for financial boost. C'est le moment. Plus 4 d'XP, upgrade your leftmost property. Double the value of your leftmost item, double your income. Double your income? Non. Quoi? Ça sert en plus parce que le compte à full avant de dire bonjour, ben oui. On a l'abri du besoin. Ah là, on vient de mettre la daronne à l'abri. On a setup les investissements en actions là sur les ETF. Tous les jours, c'est 30 gold à la maison. Bon. Deal 500 damage to the player with less health. Je crois savoir qui a le moins de vie. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un concept que j'aime bien ça.
mais je peux pas l'intégrer. Malheureusement. Donc c'est pas ce qu'on va choper. Il refuse de nous donner notre bird. On va fight le thug. Parce que vraiment, l'ATM, c'est vraiment pas ouf dans notre build, mais c'est juste que c'est une propriété qui est medium size. C'est la seule raison pourquoi on l'a. Donc à partir du moment où on peut passer à autre chose et avoir une autre propriété de la même taille, bah on la vire instantanément. When you sell this, gain access to the Thieves Guild. C'est quoi la Thieves Guild? Quelqu'un a déjà vu ça? Attendez. Bon, déjà, ça on vend. C'est bon, la blague a assez duré. On va récupérer. Une weapon, potentiellement. Et on va essayer d'aller chercher les golf clubs. Pas de golf club. Pas de Giant Ice Club, ok. Donc là, si je fais ça, l'escroc chez les voleurs, on veut voir. Hop. Enter the Thieves Guild. Bon. Grab everything from the vault. Je crois qu'on va prendre ça, hein, les frères. Je sais pas ce que c'est, ça. Je pense que ces deux trucs-là sont craqués aussi, mais ça, là. Quoi? Get 5 spare change. Ok, 16 large items. On veut pas de large items, on veut de l'XP. Ok. Ça fait du porte-à-porte pour piller les petits vieux, aga. Bon, prochain tour. On a 120 gold. On a 100 gold, pardon. Ça va bien se passer. Vas-y là, comment on kick quelqu'un là? Alors, my chat, ouais. Community, non. On a win. Avec une carte corps en moins. Ouais, ça va bien se passer. Hein. Sales weapons, get an item, sales weapons. Non. Deal damage equal to 10% of your max HP. When you level up, gain 100 max HP. Donc déjà je prends ça dans ma main. Parce que je veux avoir les PV quand je level up.
Maintenant, la question, c'est... Deal damage equal to 10% of your max HP. Tac. Donc là, on peut level up. Pour être sûr, on va poser ça dans notre board. Voilà. Get two chocolate bars, then upgrade them. Bim, bim. Ensuite, on peut fight l'Oasis Guardian. Large, je pense. Vendre Sales Monster Skills, ça nous intéresse. Plus que les large items. Your burn items have plus 4% crit chance. Your weapons have damage equal to your income. Ah! Si seulement j'avais beaucoup d'income. Your small diamond tier items have their cooldown reduced by 40%. Sales max health. I don't flex to show off. I flex. J'ai rien à dire. Y'a rien à ajouter. Le bail, il est là. Dans nos mains. I may be young for a captain, but I've seen my share of storms. Sika, je crois qu'on a plus d'HP que la game précédente au même moment. Le record de max HP, le record de max HP, ça m'avait clair. Là, c'est lunaire, là. Il manque juste un truc qui scale en fonction de l'argent qu'on a dans nos poches. Et c'est fini. Defeat does not defeat me. Donc. Sales Diamond Tier Skills. Oui. Oui, monsieur, oui. Your leftmost tool has multicast. Alors, attends. Quoi? Your weapons have damage equal to your... to your gold. Well... Donc, voilà, merci. Donc, have you left most item? Oui.
Voilà. Merci, merci. Bon. Est-ce qu'on va pas fight un mec niveau 12 là? En vrai. En vrai. Fuck it. T'es ton die. C'est pas grave. Ouais. C'est quoi ce build? Il faut juste qu'on ait une upgrade là pour qu'on puisse virer ça. Une fois qu'on vire l'ATM, je sais même pas ce qu'on pourrait vouloir. C'est pas grave, il nous tue, Joseph. C'est... Besides the point, là. C'est pas ça le problème. On a presque tué un mec deux niveaux au-dessus de nous. Ten damage, 30 damage. C'était méga close, ouais. Merci. Donc. I start avec 5 de multicast. Non, c'est pas ça. C'est juste son base, il est plus élevé. Ok. When use an item, shield equals this item's value. The damage equals 2 times the value of your items. Get an item. Get some chocolate bars. Sell large items. Get an item. Get some chocolate bars. Sell large items. Je vais prendre les chocolate bars. Je vais vendre ça. Et je vais prendre 5 gold tier chocolate bars. Le mec commence à taper, hein. Il faut qu'on ait des skills là pour crit un peu, nos heals, pour faire des trucs. Parce que sinon, on se fait outscale. En termes de dégâts purs. Pour l'instant ça passe, mais ça va passer peut-être encore un tour. Grand max 2, mais pas plus. Shield skills, non-weapon, items, on va voir ça. When you visit a merchant, descend the item to the left of this game, blablabla. On veut pas ça, ensuite. Ça c'est bien en vrai pour 16. Ça donne plus de value à mes spare change. On va rester sur ça. Sales tools. Je veux pas de tool. Get a small non-weapon item. Je peux prendre les gumballs. Peut-être le meilleur truc. Je manque pas de gold. Ah bah non. Disons que là, ça va. Et en plus, on a augmenté la value de revente des gumballs, puisque les gumballs, normalement, sont censés coûter 0. Mais là, en fait, chaque gumball qu'on a revendu nous a fait gagner 2 gold. Donc on a gagné de l'argent. On a gagné 20 gold en allant faire l'item. En allant faire l'event, pardon. C'est...
Vraiment là en termes d'économie, meilleur truc qu'on ait eu de très loin. De très très loin. Tiens. Petite tarte. Deviennent petite tarte. Troisième, Soon. Là, ça level up du coup. When use the tool, reload. Ok. D'abord, on fait un truc important. On fait ça. Prend le skill, on level up. Upgrade your leftmost shield item. Est-ce que ça me sert à quelque chose de l'upgrade? Get an economy item, upgrade your leftmost shield item. Ou de l'extra income. Non, pas des masses parce que juste ah quoi que parce que c'est en fonction de mon income, c'est en fonction de mon income donc ça va. Oui, effectivement. Temporary boost économique item. On va prendre. On va aller voir ça. Shield equal to twice the value of the adjacent item. Non. Still equal to your gold. Pas ce qu'on cherche. Le lion machin. Ouais, mais le lion machin il fit pas le build. Il scale en fonction de tes max HP. Fait 10% de tes max HP. Il equal to 4 times the value of your items. On s'en fiche. Il arrête d'insister, non mais je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Cette skill is unique to Pygmalion, oui. Self toughness and shield item. Il faut qu'on aille prendre ça, malheureusement. Your weapons have damage equal to double your income. What? When you use a property, your items have plus one value. C'est quoi ça? Donc on start à 338. Cette shield skill, c'est le medium and large items. Ouais. On essaye de choper ça là. C'est pas mal ça, en vrai. Ça va me permettre de faire scale encore, encore plus. Le money tree. Je vais le bail, je vais voir comment ça se passe. When your enemy uses a weapon, use a busy bees. When you buy a property, get a busy bee. Ok. C'est bon, c'est ce qu'il nous fallait.
Donc, est-ce que vous pensez pas que du freeze en multicast, donc deux de freeze toutes les 6 secondes, c'est mieux que 3 de shield? Alors déjà attends, faut que je fasse ça, que je vende ça, que je vende ça, prendre les PV. Trois défauts aussi une property, bah ouais. I'll show those stumps back home. I'm gonna be a business tree. Bon, là, il faut qu'on se sépare de ça, malheureusement. Pas tout de suite, parce que je vais level up soon. Weapon skills, sells weapons. On va voir les weapon skills, est-ce qu'il y a un truc cool? When you shield, your weapon gain total damage for the fight. On va le virer soon, donc ça va être nullify. On va le prendre. J'ai envie de tester en fait. Organise un petit peu. Et donc toutes les 6 secondes, on freeze deux mecs. Au lieu d'avoir quoi, à peu près ouais, 360, 366 de shield quoi. On va tester ça. On va fight le mec du milieu. Alors, on se heal, on freeze deux frérots. Ouais. Je crois que ça va nous aider, ça. Donc là, on va vendre l'ATM, on va vendre 2-3 trucs. On a eu les HP en plus. Plus 28 gold. C'est pas mal parce que ça nous donne des dégâts. Mais j'en ai pas vraiment besoin. On va prendre l'XP. Non-weapon item. 25 max health per level. Ça c'est bien. En vrai. Ça équivaut à presque 1K. Ouais. Les skills, the first time use a large item, each fight adjacent shield, bla bla, non. Weapon have damage equal to double your income. While your enemy has more health than you, your heal items have their cooldown reduced by 20%. Ça fait quoi si j'en prends deux là? Ça me fait passer un truc genre le triple. Le triple. Ensuite. Il faut vendre des trucs. Il faut que j'ai 6 slots ou au moins 5 slots de dispo. Donc on va vendre ça, ça. Et on va vendre ça, malheureusement. On garde ça. Boum. On a beaucoup plus d'argent qu'on ne peut en utiliser.
Ah, il a ça. Il peut nous mettre mal, hein. Heureusement, on met des petites tartes. Donc il n'a pas le temps de trop scale le shield. Mais il tape, hein. Attention. Ouais, je pense qu'il nous outscale en fait. Il faut qu'on ait des heals critiques. Il faut qu'on ait des heals critiques absolument. Tant qu'on n'a pas ça, on peut pas gagner. Contre des mecs qui scale un petit peu mieux comme ça. On a encore 2 jours minimum. Donc on peut potentiellement aller chercher ça. Health, toughness and shield items, skills. Reduce the cooldown of your properties. By 15%. Ça c'est bien. Shield skills, non. Economic items, peut-être. Ok. Bon, là ça devient mieux. C'est bon. Hogwash devient mieux que ça. Parce que 12% c'est plus. Et j'augmente mes max HP pendant le fight. Je peux plus scale directement. Mais j'ai un CD tout aussi grand. Même en fait, hein, c'est un peu plus petit. Je baille, anyway, on verra. On verra lequel on garde. Par exemple, là c'est une bonne situation. Putain. Faut que je fasse un choix. Ouais, non, non, c'est vraiment mieux en fait. C'est vraiment mieux. Je vais pas rattraper avant de vendre un petit paquet de spare. Donc, c'est mieux. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ça. 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 J'upgrade. Extra gold. Et damage en fonction de mes gold, en fonction de mon income. Hein. Donc, on va prendre tout ça. Du crit, des PV. Ok. On fight boss arrow. On regarde ce qui se passe. À combien d'HP on monte? On gagne pas mal d'HP. Donc on devrait plus avoir le problème de l'overheal. Et en fait, c'est même mieux que ça. Parce que vu qu'on augmente nos PV au fur et à mesure de la game, la value du heal de Hogwash augmente au fur et à mesure de la game. Donc, même si on crit pas, on a un heal qui devient de plus en plus gros, plus la game continue. Donc c'est pas mal. Ça règle une partie de notre problème, même si ça le règle pas entièrement. When any non-weapon item is used, slow it for 2 seconds. Ah bah non, ça on va pas faire ça, mon ami. Parce que ça va nous niquer. Medium and large items. J'ai pas vraiment besoin de ça. Temporary boost, oui. Des PV. Boom. 15K. Small and medium, non. On va prendre l'XP.
Un fight. What? Ah ouais, non, ça par contre on peut pas le battre. What the fuck? Attends, comment il fait ça? Merde, il y avait un item là qu'on n'a pas vu. Je pense que c'était ça le secret du truc. Free Diamond Weapon. Deco Incoming. Visitor Unknown Main Champion Location. 20 gold et 5 XP. Visitor Unknown Main Champion Location. Mention item with crit effect, oui. Qu'est-ce que je veux faire crit? Je veux faire crit ça. When you heal, your items gain 10% crit chance for the fight. Ok, c'est fini. C'est fini. La game est finie. On a 100% crit en 6 secondes. Sell items, mon additional XP. Temporary boost, on va prendre le temporary boost, faut qu'on survive. On prend les PV. Là on prend l'XP. Et là on va fight. On va fight le Master Alchemist pour voir. Normalement, on a 100% crit en deux rotations. Une rotation. 40%. Ouais, c'est ça. Boum, 70%. C'est bon, c'est fini. Donc on a des heal crit permanents, on a du damage crit permanent. Shield skills, spare change, non-weapon items. On va voir ça. Peut-être qu'on peut avoir un level up sur ça. When you sell this, blablabla. À ça. Ok. Level up. Ancient item with poison effect, ancient item with slow effect, ancient item with heal effect. On va slow sur ça. Non, pas sur les clubs. Sur ça. Toutes les 4, toutes les 3 secondes, je vais slow 5 items là. Hit at fins to get max health, oui. 5% max health and your shield item gain 10 shield. 5% max health and your heal item gain 20 heal. 5% max health and gain regen. On va prendre... la regen. Il sur club t'es goldé. Mais le truc c'est que je sais pas c'est quoi le truc. L'enchantement. Si j'enchante. Si je me heal pas de la même value, c'est fine, mais. En fait là, j'ai pas besoin de me heal plus. Genre vraiment. Genre là je sais pas si tu te rends compte. Mais c'est un truc de malade là. Je.. C'est fini. On se met des heals à 6000. Chasing you.
pense que notre plus gros problème, c'est, tu vois, si les mecs détruisent des trucs, si les mecs font des trucs comme ça, on n'a pas forcément de réponse. Tac, ça c'est une première chose. J'ai pas besoin de weapon, j'ai pas besoin de ça. On va prendre ça. On vend. Economic item ou skills. When you crit, your heal items gain 20 heal for the fight. Oui. The first 5 times you crit each fight, charge an item. Non, on prend ça. On a 100% crit chance, donc ça va encore scale encore plus. On va try le property baron. Je crois que lui il scale beaucoup les damage jusqu'à la skyscraper. Si on n'a pas de problème contre lui, je pense pas qu'on aura des problèmes contre beaucoup de gens. Notre oiseau toutes les 4 secondes est en train de nous heal pour 2500 là. Si all that the bazaar has to offer. What? Comment ça? Get 3 small items from the bazaar, gain 2 XP, get a diamond item from the bazaar. Comment ça? Diamond item from the bazaar, 2 XP. Mais en fait, on prend encore un level up hein, parce qu'on veut pas de diamond item. Pas 10% max HP. Temporary boost. 10% max HP. Allez. Si on a de la chance, il nous bat, on raise et on peut scale un tour de plus. Ouais, je crois que le robot. Non, non, non. Non, 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 non. Pas aujourd'hui. Ouais, ça c'est un bon build. Infinite scaling sur les HP, pas mal. Il avait un bon build, ouais, il avait un bon build. Mais nous on avait un bien meilleur build.